Salut les potos, vous m'avez manqué. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pêche sous-marine à l'agachon, dans 0 et 10 mètres de fond, c'est-à-dire dans des petits fonds. Avant d'attaquer le tuto, je voudrais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez fait sur la dernière vidéo, pêche sous-marine dans la surface. D'ailleurs, tout ce que je vais vous raconter, je vous ai raconté dans cette vidéo, ça va être utile pour la pêche à l'agachon de 0 à 10 mètres. Et je voudrais faire un coucou particulièrement à trois personnes. La première, c'est Jo, il se reconnaîtra. Il m'a dit que dans pêche sous-marine de la surface, avec la technique que je lui ai donnée, il a réussi à prendre son premier loup de 3 kilos, 2,8 kg exactement, de la surface. Donc ça m'a fait plaisir. Ça veut dire que mon tuto, ben voilà, ça me fait plaisir, ça me va droit au cœur, ça me fait plaisir. Ensuite, deux collègues, des anciens collègues qui font régulièrement la Sardaigne, ils pêchent le Denti et le Mérou régulièrement en Sardaigne. Et là, ils m'ont raconté que cet été, avec cette technique, et sans combinaison, je précise, ils ont mangé du poisson à tous les repas. Voilà. Et après, un petit coucou spécial à Lorenzo. Lorenzo, c'est mon plus jeune abonné. Il me suit depuis un petit moment et donc je lui fais un petit coucou. Ce qui m'intéresse dans ces tutos, c'est toutes les questions que vous allez me poser après pour rendre ce tuto un peu interactif. Parce que le but du tuto, c'est d'expliquer pour que les gens qui participent, ils comprennent et qu'après, ils puissent mettre en pratique tous les conseils qui ont été donnés. Alors, sachez une chose, c'est que même si j'ai 45 ans de pratique, aujourd'hui, ben, j'en apprends toujours. Alors pourquoi la pêche à l'agachon par petit fond? Eh bien parce que la pêche à l'agachon, en premier, c'est la pêche que je pratique le plus, et depuis des années et des années. Des tutos, vous en aurez d'autres sur la pêche à l'agachon, pas que par petit fond. Et donc si vous voulez suivre les tutos que je vais vous faire, c'est peut-être le moment d'appuyer sur la petite cloche et de vous abonner là, juste là. Voilà. Alors, agachon, ça vient de quoi? Le mot agachon, c'est un mot provençal. Agachoun. Agachoun, ça existe bien avant la pêche sous-marine. Ce mot, il existait bien avant la pêche sous-marine. C'était les chasseurs terrestres. Les chasseurs terrestres qui pratiquaient l'affût dans les collines pour surprendre le gibier. Et donc, ce terme, quand les premiers pêcheurs sous-marins ils ont commencé à pratiquer cette technique, eh bien, très rapidement, le mot agachon est arrivé et est utilisé aujourd'hui dans le monde entier, quoi. Mais c'est principalement un mot provençal. C'est une technique qui vient du sud de la France. Voilà. Sans être chauvin, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Faut savoir que les premiers pêcheurs à l'agachon qui maîtrisaient cette technique, eh bien, ils gardaient ça secret. Et jusque dans les années 70, c'était un peu gardé sous le manteau, quoi. Les gars, ils sortaient, ils expliquaient pas l'agachon, voilà comment il faut faire. On était loin de s'imaginer qu'aujourd'hui, il y a des gars sur le net qui font des tutos pour expliquer comment on fait l'agachon. Donc aujourd'hui, pourquoi moi j'explique comment on fait l'agachon et j'essaye de faire des tutos pour vous expliquer comment ça fonctionne? Eh bien, parce que, tout simplement parce que la pêche sous-marine, elle est mal connue du grand public. Et on raconte un peu n'importe quoi sur la pêche sous-marine. Il y a des fantasmes sur les kilos qui sont pris, sur les profondeurs atteintes. Donc, au plus on est nombreux à connaître la pêche sous-marine, au plus on pourra l'expliquer autour de nous pour éviter qu'on raconte n'importe quoi sur la chasse sous-marine. Voilà, il y a des gens que je connais qui sont proches de moi. Ils me demandent si je pêche avec des bouteilles. Vous vous rendez compte? Ça fait presque 50 ans que je pêche. Les gens ne savent pas que la pêche sous-marine, on la pratique en apnée, avec une arbalète. Et c'est pour ça que cette pêche, pratiquée de cette façon, c'est pour moi la pêche la plus éco-responsable qui puisse exister. Ça me concerne moi personnellement. C'est-à-dire que quand on se met à l'eau pour pêcher, pour manger le poisson qu'on attrape, on se sent un maillon de la chaîne alimentaire.
On se sent un maillon de la chaîne. On fait partie intégrante de la nature. Et il faut savoir que si le pêcheur sous-marin, il n'est pas là, des prédateurs dans la mer, ben il n'en manque pas. En ce qui me concerne, la pêche sous-marine, et je ne suis certainement pas le seul, c'est devenu une passion avec les années. Et donc, au plus on est nombreux à l'expliquer autour de nous, au plus on sera nombreux à la comprendre, et au plus on pourra continuer à la pratiquer. Donc il faut savoir que la pêche à l'agachon, de 0 à 10 mètres, c'est une pêche très technique. C'est peut-être la pêche la plus technique qui puisse exister. Alors pourquoi la zone de 0 à 10 mètres? De 0 à 10 mètres, eh bien, c'est la zone où il y a le plus de vie. Dans toutes les mers du monde, cette zone, c'est la photosynthèse. Alors elle se fait le plus facilement parce que la lumière, elle rentre dans cette zone. Et c'est dans cette zone qu'il y a le plus de vie. La chaîne alimentaire, elle est présente en permanence. Mais pour attraper du poisson, il ne faudra pas y aller n'importe quand et n'importe comment. La plupart des pêcheurs sous-marins, ils pensent que la pêche sous-marine à l'agachon, dès qu'ils entendent le mot agachon, ils se disent c'est pour des cadors en apnée qui sont capables de rester des minutes et des minutes sans respirer. Eh bien non. La réussite de cette technique, elle n'est pas basée uniquement sur l'apnée. La réussite de cette technique, elle est basée sur la progression dans l'eau. Il va falloir adopter les mêmes principes que je vous ai expliqués d'un pêche sous-marine à l'indienne de la surface. Ça va être les mêmes techniques qu'on va utiliser, pas de bruit, zen, calme, et en plus d'être zen et de progresser calmement dans l'eau, ça va faire descendre vos pulsations. Et si vos pulsations cardiaques, elles sont beaucoup plus basses, vous n'êtes pas dans le dur, votre apnée elle sera beaucoup plus longue. Je suis ni professeur d'apnée, ni professeur de chasse sous-marine. Mais le petit conseil que je peux donner à l'agachon pour ne pas prendre de risques et rester dans l'humilité de cette pratique. Moi, j'ai toujours imaginé, quand je faisais des apnées, un compteur, un compte-tour de la voiture. Donc, je démarre à mon apnée, je suis dans le blanc. Au fur et à mesure que l'apnée elle tourne, je me retrouve dans le vert, dans le jaune, dans l'orange, dans le rouge, dans l'écarlate. Donc, si vous ne voulez pas avoir de soucis, il faut toujours faire ses apnées dans sa zone de confort. C'est-à-dire, si vous mordez un peu l'orange, il ne faut pas aller plus loin. Quand vous allez remonter vos apnées, il ne faut pas aller chercher son souffle comme un fou furieux. Il faut avoir une petite réserve qui va vous permettre de vous mettre en sécurité. Il faut le plus souvent possible pratiquer la pêche sous-marine en apnée dans sa zone de confort. Si vous pêchez régulièrement dans votre zone de confort, ben, ça vous évitera de prendre des risques inutiles parce que c'est quand même un sport à risque, c'est un sport à haut risque. Ben, et on peut y laisser sa peau si on fait n'importe quoi quand on va à la mer. Si cette apnée elle n'est pas assez longue, ben, il faudra la travailler en faisant des activités physiques ou en sortant le plus possible. Parce que je pars du principe que le meilleur entraînement à la pêche sous-marine, c'est de sortir le plus souvent possible. Voilà. D'abord, ça va développer votre instinct, ce qui est la chose la plus importante et qu'on ne peut pas expliquer dans aucune vidéo. Et surtout, ben, votre accoutumance à la mer, elle va vous faire descendre votre stress, qui vous permettra d'être plus zen quand vous allez faire vos apnées. Voilà, c'est la base. Voilà, moi ce que j'essaye surtout, c'est de vous transmettre un peu de mon expérience. Mais vous allez vite vous apercevoir que la pêche sous-marine, c'est une activité où au plus on la pratique, au plus on est en pointe de cette activité. Si on veut développer son instinct de pêcheur sous-marin, il faut être le plus souvent dans l'eau avec une arbalète. Voilà, au plus vous vous éloignez de l'eau et au plus vous vous éloignez de votre instinct. La seule chose qu'on ne peut pas expliquer dans les tutos YouTube, c'est l'instinct. Voilà. Tout le monde l'a en lui, plus ou moins développé, et après il va falloir l'entretenir, voire le faire grandir pour essayer de, voilà,
d'attraper du poisson. Alors, en général, le poisson dans cette zone qu'on va attraper, ben, ça concerne tous les poissons. Faut pas penser que des gros poissons ne viendront pas dans cette zone, ils viendront dans cette zone. Car dans cette zone, de 0 à 10, toute la chaîne alimentaire, du plus petit micro-organisme jusqu'au gros prédateur, ils sont présents dans cette zone. Mais vous comprendrez très bien qu'ils ne sont pas présents là toute la journée et n'importe où. Il va falloir mettre toutes les chances de son côté, comme je vous l'ai toujours dit, et venir à une heure précise de la journée. En général, c'est quand c'est le plus calme. Le matin au lever du jour, c'est calme. Le soir, en fin de journée, c'est calme. Et selon les endroits où on va pêcher, ça peut être calme aussi en milieu de journée. Donc l'important, vous l'aurez compris, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde, qu'il n'y ait personne, que vous soyez seul. Et là, ça sera bien plus facile d'attraper du poisson avec cette technique de la gâchette. Alors, concernant le matériel, je vais vous parler de trois choses. Je ne vais pas vous détailler en gros tout le matériel que vous utilisez en permanence. Mais les choses qui me paraissent importantes. La première, c'est la bouée. Quelle que soit la bouée que vous utilisez, il va falloir, avec cette bouée, gérer le vent et le courant. Parce que une bouée, quand vous la jetez à l'eau, elle va être emportée par le vent ou par le courant. Et donc, il n'y a rien de pire quand vous faites des agachons dans une zone qu'une bouée qui vient vous passer devant, là, comme ça, au-dessus, et qui va faire partir tout le poisson qui est autour. Voilà, ça c'est le conseil concernant la bouée. Donc il y a deux façons de faire. Soit on va pêcher contre le courant et la bouée elle se met naturellement derrière. Et là, la longueur de fil que vous avez, ben, la longueur de fil que vous avez habituellement. Voilà, vous pouvez très bien poser la bouée au fond avec un plomb sans trop faire de bruit. Ou alors la poser sur un rocher à la surface. Le plomb, vous le déposez sur un rocher à la surface. Et donc là, c'est facile de pas être embêté par la bouée. Rien de pendu à la bouée, comme une pêche sous-marine de la surface, ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo. La bouée, ça doit pas être un appelin, ça doit pas être quelque chose qui va faire fuir le poisson. Alors en deux, je vais vous parler du lestage. Alors le lestage, la première des choses à vous dire, c'est que c'est pas le plomb qui va vous faire descendre au fond. C'est votre canard qui va vous faire descendre au fond. Donc il faut bien maîtriser la technique du canard. Si vous n'êtes pas bien équilibré avec la ceinture de plomb, vous allez avoir du mal à descendre sans trop faire de bruit. Si vous êtes trop lesté, vous allez lutter pour rester à la surface et vous allez faire du bruit inutile qui va faire partir le poisson. Donc ça, c'est rédhibitoire. Quand vous allez pêcher dans 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, puisqu'on a dit jusqu'à 10 mètres de fond, si le plomb il vous entraîne au fond, ben, vous allez en permanence lutter pour pas couler, et à la sortie, le poisson il va partir. Parce qu'à la sortie, vous allez faire des bruits inutiles. Donc moi, la répartition du plomb, comment je la préconise? Alors quand j'ai l'hiver, j'ai la 7 mm en haut et en bas, souvent j'ai que le haut ou j'ai que le bas en 7, mais en général, quand je suis en 7 mm, je rajoute un seul plomb. C'est un plomb avec une lanière faite de la chambre à air de vélo. Je passe un bras, je passe l'autre et je le plombe derrière. J'ai ma ceinture habituelle et j'ai des plombs de jambes. J'ai toujours des plombs de jambes. Quelle que soit l'épaisseur de la combinaison, j'ai toujours des plombs de jambes. Alors les plombs de jambes que j'ai, je vais vous faire voir ce que c'est. Voilà, c'est ça. Vous voyez? C'est du plomb, simple, un morceau de plomb. Alors pourquoi j'ai mis du jaune et du vert? C'est pour pas les perdre, parce que quand il est bien gris comme ça tombe sur le goudron. Et ensuite, ben, vous l'oubliez, vous le perdez. Le plomb tel que vous le voyez, je le mets entre la combinaison et le chausson. Voilà, je le remonte un peu, ça fait pas du tout mal. C'est pas très lourd, hein, ça pèse à tout casser, ça pèse 200 grammes. Et ça évitera à vos palmes de bouger. Mais en fait, le problème, c'est ça va pas vous faire couler ce plomb. Mais ça va vous faire prendre conscience de vos palmes. Et votre palmage, il sera amélioré. Alors, en 3, je vais vous parler de l'arbalète. Moi, je ne vais pas vous parler de mon arbalète. Je vais vous parler de l'arbalète qu'il faut avoir pour pratiquer l'agachon par petit fond. Alors, l'agachon par petit fond en Méditerranée, parce que là, ce n'est pas la Bretagne, c'est en Méditerranée. 80% du temps, la visée, elle est bonne en Méditerranée. Donc, il faudra
avoir une arbalète de 90 minimum. Si vous pouvez mettre 200 d'eau, c'est encore mieux. Parce qu'un poisson qui se retrouve sur la ficelle, on a moins de chances de le perdre qu'un poisson qui tourne comme ça sur la flèche. On peut descendre à moins de 90, c'est-à-dire un 75 par exemple, si l'eau est pourrie. Quand l'eau elle est pourrie, il faut raccourcir l'arbalète. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, l'agachon, ça consiste à faire une apnée. On repère avant l'apnée, on repère une zone où on va se caler. Donc, comme il y a 10 mètres de fond maximum, ou 3 mètres, ou 4 mètres, ou 5 mètres, c'est des 0 à 10 mètres. Donc, on va pouvoir avoir la visibilité pour repérer un poste, une zone où on va se mettre. Descendre sur ce poste, non pas à la verticale, mais en planant légèrement en arrivant sur ce poste, bien se caler et attendre le poisson. Et là, il va falloir avoir une petite apnée susceptible d'attirer le poisson. Quand l'agachon il est bien fait, quelquefois, au bout de 20 secondes, de 30 secondes, on voit déjà apparaître le poisson. D'ailleurs, sur une de mes captures, je mettrai le petit compteur qui va tourner et vous verrez que ce n'est pas des conneries, ça arrive. Le moindre petit écart, il va faire fuir le poisson. Parce que le poisson, quand vous le prenez à l'agachon, il faut imaginer qu'il est à, il est pas à plus de 100 mètres de vous. Vous descendez au fond, le poisson, il n'est pas à plus de 100 mètres de vous, et finalement, il est curieux, il vient vous voir. Comme à mon habitude, je me mets à l'eau, et à partir du moment où j'ai le masque dans l'eau, je commence à pêcher. On ne pêche pas uniquement lorsqu'on fait l'agachon, mais on pêche. Quand on palme dans l'eau, on pêche. Quand on descend faire le canard, on pêche. Quand on fait l'agachon, on pêche. Et quand on remonte, on pêche. Il faut souvent soigner la remontée. La remontée, il faut éviter de palmer comme un fou pour attraper son air. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller au bout de ses apnées et se mettre en danger inutilement. Il vaut mieux multiplier les apnées les unes derrière les autres, très petites, des petites apnées, des micro-apnées, pour attirer le poisson, que d'essayer de faire des apnées records chaque fois, surtout dans cette zone. C'est carrément inutile de faire des longues apnées dans cette zone, une de temps en temps, pourquoi pas, mais systématiquement non, parce que une apnée, c'est la préparation, c'est le temps d'apnée et le temps de récupération. Donc si vous voulez faire des longues apnées, ça va vous faire perdre beaucoup de temps, et les apnées, dans cette profondeur, il vaut mieux les multiplier que de les allonger. La remontée, comme il n'y a pas beaucoup de fond, il va falloir essayer de palmer un minimum. Et comme automatiquement vous allez flotter, se laisser remonter à la surface tranquillement, ça évite de faire des bruits inutiles et ça ne fera pas fuir le poisson. Alors le poisson, dans cette zone, il a une réaction binaire, simple. Soit on est en danger, soit on n'est pas en danger. Et donc, c'est parce que quelque part, il vous a identifié comme un danger. Si vous progressez dans l'eau, avec des gestes brusques, avec un palmage stressé, si vous essayez d'aller plus vite que ce qu'il faut, il faut être zen dans l'eau. Le poisson, il va enregistrer. Imaginez un lac, une étendue d'eau. Il y a une pierre qui tombe dans le lac. Et vous allez voir des ronds qui vont se faire. Comme ça, jusqu'à des centaines et des centaines de mètres. Eh bien, ça, c'est ce que vous émettez dans l'eau quand vous avancez. Et le poisson, lui, il est sensible à ça. C'est normal s'il est dans son habitat, vous non. Le poisson, s'il vous identifie comme un danger, vous ne le verrez pas. Et donc, il faut ne pas être identifié comme un danger. Donc, on est une menace simplement en mal palmant dans l'eau. En essayant de faire la course avec son pote pour aller sur l'écueil et arriver le premier, c'est comme si vous tirez la cloche là, le poisson, mais c'est terminé, il n'y aura plus personne. Alors, le bruit qui fait partir le poisson, c'est une chose, mais après, il y a le bruit qui fait venir le poisson. Alors, il y a plusieurs écoles, moi j'en retiendrai qu'une. Le bruit, quand il est associé au mouvement, quand le poisson il va voir le mouvement que vous faites, ça peut être rédhibitoire et ça peut le faire partir. Et vous verrez que dans une de mes vidéos, il va se passer le contraire totalement. Mais ça fait rien, à la fin de la vidéo, vous verrez qu'il va se passer le contraire. Mais ça, c'est les aléas de la pêche sous-marine. Donc moi, je préconise toujours le bruit avec
la crosse de mon arbalète, soit je tape sur un rocher, soit je la tape ici sur le masque, et il ne faut pas faire du bruit pendant 10 minutes, quoi. Vous faites du bruit et vous arrêtez, et c'est par curiosité que le poisson y viendra. Après, il y a le bruit de glotte, on peut faire le bruit de glotte aussi. Alors moi, je l'utilise quand je ne veux pas faire de mouvement, c'est-à-dire que je vois le poisson, je le vois, il n'est pas très loin, lui aussi il peut me voir, il peut me sentir, et à ce moment-là, je vais faire un bruit de glotte pour pas bouger. Parce que le poisson, lui, avec nos mouvements, il va détecter le danger et il va fuir. Donc il faut éviter de faire des mouvements quand le poisson, il vous voit. Quand vous avez choisi la zone, la difficulté que vous allez avoir, ça va être de s'agripper au fond. Donc si l'eau elle est sale, qu'on descend un peu au hasard au fond, la difficulté ça va être de trouver des points d'accroche. C'est pour ça qu'on préfère la posidonie. Moi j'aime bien la posidonie, faut essayer de ne pas les arracher, hein, mais on peut s'accrocher largement aux racines et on est largement caché par les herbes, y compris son arbalète. Parce que s'il y a une chose qui est importante dans cette technique de pêche, c'est qu'il faut le plus souvent possible cacher son arbalète. Voilà, si on ne peut pas la cacher, on la plaque contre le rocher pour pas qu'elle soit vue par le poisson. Alors, les meilleures zones concernant l'agachon, ça va être les zones où il y a de l'écume, ça va être au fond de l'eau, en surface d'abord, ça va être les zones où il y a de l'écume, ça va être les pointes, ça va être les endroits rocheux, ça va être les écueils. Et ensuite, au fond de l'eau, ça va être les cassures. Quand au fond de l'eau, vous avez de la posidonie et que d'un coup, on a de la roche, ben à la lisière, là, ça va être intéressant. Quand vous avez un surplomb, ça va être intéressant de faire un agachon en surplomb. Parce que le poisson, il risque de monter d'en bas ou alors de la pleine eau. Et c'est souvent, c'est dans les cassures, c'est quand il y a les cassures au fond de l'eau qu'on va avoir du poisson. Donc, entre le sable et la posidonie, entre les rochers et la posidonie, lorsqu'il y a une cassure, un tombant. Donc ça, c'est des zones qui retiennent la vie. À partir du moment où ça retient la vie, il y a des micro-organismes, il y a des coquillages qui viennent se mettre, et donc il y a toute la chaîne alimentaire qui se met en branle, et automatiquement, vous avez des chances de tomber sur du poisson. Voilà. Quand vous avez choisi cette zone, et que si la lisière de la posidonie, elle fait une centaine de mètres de long, il suffit pas de faire un seul agachon et dire c'est fini, il n'y a rien, je remonte. Non, il va falloir insister. Il va falloir faire un agachon, remonter, récupérer, avancer un peu, refaire un agachon plus loin, et c'est ainsi de suite. Des fois, dans une zone, j'arrive à faire 10-15 agachons sur une longueur, une cassure, une faille, ou alors un surplomb, et c'est qu'au 8e, au 9e, au 10e agachon que le poisson il finira par venir. Il va pas venir du premier coup, il faut surtout pas se décourager. Donc là, dans cette vidéo, j'essaie de vous mettre les exemples de pêche de poisson à l'agachon. Donc il va y avoir une sortie où je fais 4 poissons exclusivement à l'agachon. Donc tous les poissons que j'ai fait dans la sortie, je les ai faits à l'agachon avec cette technique, dans des petits fonds. Et ensuite, je vous ai pris 3-4 exemples où je sors un peu des clous pour qu'à un moment donné, je vous explique en détail. Ben, que quelquefois, ben, il faut savoir improviser, quoi. Voilà. Tous les cas de figure de pêche sous-marine à l'agachon, ils seront certainement pas dans cette vidéo, même s'il y en a un grand nombre, mais il y aura certainement d'autres vidéos qui vont parler de la pêche sous-marine à l'agachon. Et c'est pour ça que je vous conseille d'appuyer sur la petite cloche et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Et là, on va partir pour la sortie de pêche, où je vais expliquer un petit peu tous les exemples. Je vais essayer de vous expliquer le mieux possible la façon dont j'ai pratiqué pour capturer le poisson. Alors, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il n'y a que deux façons d'attraper le poisson. Soit le poisson, ben, on va vers lui, soit il vient vers nous. Là, je vous fais voir en médaillon le bord où il y a des épaves à la surface. Il y a pas mal de saletés qui flottent et ça, c'est vraiment rédhibitoire pour le poisson. Les épaves, c'est très bien quand elles sont au large, ça attire le poisson, mais là, au bord, je vous assure, c'est pas la peine d'aller perdre son temps dans
dans cette mer chargée en saleté, le poisson, vous n'en verrez pas. Donc, je repère une cassure. Comme je vous ai dit, le poisson, c'est toujours la cassure qui va réagir. Là, sous ce rocher, je vais pouvoir me cacher. Il y a la posidonie, je vais pouvoir me tenir à la posidonie. Je suis à peu près à une centaine de mètres du bord. Je vais longer la côte en parallèle pour essayer de faire venir le poisson qui serait entre les deux. Donc là, j'arrive sur un agachon, je vais faire un bruit de gorge. Pourquoi? Parce que ben, la crosse, elle va taper sur la posidonie, ça va pas faire beaucoup de bruit. Et mon masque, il est un petit peu loin, j'ai la tête relevée, je suis un peu coincé, j'arrive pas à taper sur le verre du masque. Alors là, vous allez voir le poisson, il va arriver par la gauche, observez bien. Voilà, vous le voyez. Vous le voyez, il est là. Non, vous l'avez pas vu? Voilà, il est là. Donc, je vais le laisser rentrer dans ma trajectoire. Je vais surtout pas bouger parce qu'il peut partir. Moindre mouvement, moindre bruit, il part. Donc là, il vient dans ma trajectoire. Je l'ajuste. Bim, voilà. Alors, c'est un beau tir, mais c'est pas un tir excellent parce que vous voyez, le poisson en bas, il s'agite. Il part dans tous les sens, il me déroule un peu de fil parce que c'est un balèze. Et à la sortie, ben, il envoie les fameuses vibrations dont je vous ai parlé et qui vont faire repartir tous les autres poissons qui pourraient être dans un périmètre autour. Voilà le sar. Alors j'attends pas trop longtemps avant de le tuer justement pour ces fameuses vibrations. Savoir que le sar et la dorade, ce ne sont pas des poissons prédateurs, ce sont des poissons qui cherchent à manger des coquillages. Et quand vous arrivez à les attirer, c'est parce qu'ils pensent tout le temps qu'il y a un congénère qui est pas loin et qui est en train de se faire un petit festin avec des moules ou des huîtres. Et donc, moi, en général, quand je peux taper, quand je peux faire du bruit avec ma crosse, eh bien, je fais du bruit avec ma crosse parce que ça réagit bien à ce genre de bruit, le sar et la dorade. D'ailleurs, la dorade, eh bien, on va passer au deuxième poisson, justement, une dorade. Donc là, je repère la posidonie, je vais me caler entre les deux posidonies. Devant, vous avez un petit promontoire qui va cacher. Il va me cacher et le poisson, il me verra qu'au dernier moment. Donc, je descends parce que je sais qu'un peu plus loin j'ai vu briller. À peu près une soixantaine de mètres j'ai vu briller. Donc il y a certainement des poissons, je ne sais pas ce que c'est. Et je vais tenter l'agachon dans cette zone. Et je vous mets le chrono pour vous faire voir que le poisson, ben, quand l'agachon il est bien fait, la progression elle est bien faite et que le poisson il est là, ben, il ne faut pas très longtemps pour que le poisson il se pointe. Voilà, 10 secondes, 11 secondes, 12 secondes. Voilà, je commence à voir briller, je sais pas si vous les voyez, 17 secondes, on voit déjà les poissons. Et là, j'aperçois deux dorades, je sais qu'ils sont nombreux. La première qui rentre dans mon champ de tir, je la tire. Pour quelle raison? Parce que quand les poissons ils sont nombreux, dans pas de fond, comme ça, le premier qui voit le danger, il va lancer le signal, il fera partir tout le groupe. Donc les dorades, ce sont les poissons, je pense, les plus peureux, les plus méfiants qu'il puisse y avoir en Méditerranée. Et lorsque vous arrivez à me faire revenir une à l'agachon d'un peu de fond comme ça, ben, il faut pas tergiverser, il faut tirer, il faut lâcher la flèche. Si vous avez deux, trois dorades et que vous commencez à dire celle de dessous elle est plus grosse, celle de droite elle est mieux, et ben, c'est la meilleure façon de louper. Voilà, le deuxième poisson sur la flèche à l'agachon. Moins de 30 secondes pour le deuxième. On va passer à un troisième où je vous mets le chrono. C'est parti pour un tour. Il y a moins de 3 mètres de fond. Bon, il y a à peu près 3, 3 mètres 50 de fond. Donc je descends entre deux rochers, il n'y a pas de posidonie, je me cale
J'ai vu briller là-bas sur les rochers du Fiche. Donc voilà, 18-19 secondes, on commence à voir arriver les premiers sars. Et là, pareil, ils sont pas seuls. Dès que je vais avoir le premier sar qui va se pointer dans mon champ de tir, je vais l'ajuster, je vais le tirer. Voilà. Le tir, c'est quand même quelque chose de très important en chasse sous-marine. Là, ça fait le troisième poisson que je vois, que j'ajuste et que je tire. Et quand vous loupez, ben, c'est comme ça qu'on arrive à faire fanny aussi, parce que même s'il y a du poisson, on peut faire fanny. Alors, vous avez compris que cette technique, elle ne repose pas uniquement sur l'apnée. L'apnée, c'est quelque chose d'important quand on fait les agachons, mais elle repose surtout sur la progression, la descente, le palmage, le choix de la zone. Là, je ne vous cache pas que cette zone, je la connais. Et je savais qu'il y avait du poisson que je prends régulièrement à l'indienne. Cette fois, il est venu à l'agachon. 30 secondes pour prendre une fiche. Pour moi, c'est un peu à la portée de tout le monde. Alors, je vois ce que je pêche ce que je vois. Et donc, c'est un peu le but de mes vidéos. Vous faire voir un peu les actions, les commenter derrière pour que vous puissiez comprendre que c'est largement à la portée de tout le monde. Et donc, des vidéos de ce type, j'en ferai d'autres parce que la pêche sous-marine doit être connue du grand public pour un petit peu lever le mystère qu'il y a autour parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent n'importe quoi. Donc, c'est peut-être le moment de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et là, on va passer au dernier poisson de la sortie, le quatrième poisson de la sortie, sur une zone que j'ai l'habitude de connaître. Vous allez voir le spot à agachon, il a à peu près 7-8 mètres de fond, on avait dit jusqu'à 10 mètres. Donc là, ces deux pierres-là, je vais caler un agachon entre les deux pierres. Je pense que j'aurais pu inscrire mes initiales là, sur ces pierres, tellement que j'ai fait les agachons. Là où il y a la flèche, ben, il y a souvent des sars derrière ou des dorades. Et donc l'agachon dans la fente là, je suis caché des deux côtés, en plus il y a beaucoup de courant. Et le poisson, ben, il va falloir le faire revenir. Donc vous allez voir, je vais taper sur la roche. Ça imite, si vous avez déjà entendu les sars et les dorades dans une moulière ou dans un parc à huîtres, quand vous tapez la crosse, ça fait exactement le même bruit. Et là, lui, il se dit, il y a un galeton à faire, il y a des potes à moi qui sont en train de manger des coquillages sans me le dire, donc je vais aller voir ce qui va se passer. Et là, il va se passer un truc un peu exceptionnel, c'est le poisson, il va venir de face. Donc, je sais pas si vous le voyez, il est là-bas au fond, voilà, il est là, et il va se pointer de face. Et sachant que le poisson, il a une vision latérale, il voit à droite, il voit à gauche, il voit pas devant, donc je reste quasiment immobile, et je le laisse approcher tranquillement. Faut surtout pas bouger. Le moindre geste brusque, il s'en va. Et là, il va presque venir sur ma pointe. Et vous allez voir, dès qu'il va un petit peu tourner, là, je lâche le tir. Voilà. Je remonte et ma difficulté, ça va être de pas me laisser entraîner par le courant qui m'envoie sur les écueils qu'on voit pas sur la vidéo, mais il y a des écueils derrière. Il y a beaucoup d'écume et à la sortie, la difficulté c'est de sortir de la zone. Vous voyez, on voit un petit peu le blanc là sur la droite. Et la difficulté, ça va être de sortir de cette zone parce que le courant, pendant que vous accrochez ou décrochez le poisson, vous le mettez sur le fil. À la sortie, ben, vous apercevez pas que vous êtes entraîné par le courant et vous risquez de finir sur les écueils. Et ça, c'est dangereux. Toujours avoir une idée de ce qui se passe autour. Quand on pratique et quand on est affairé à faire ce qu'on fait. Donc là, on arrive à la fameuse scène. Alors je vous préviens de suite, c'est un tir de très très loin. C'est pour ça que je vous la fais voir. C'est pas un poisson exceptionnel, c'est un petit barracuda. L'agachon, il est à peu près à 7-8 mètres de fond. On est toujours en dessous des 10 mètres. Hein. On est pas. C'est des petites profondeurs. Là, on est à une période de l'année où l'eau, elle est à 26 à la surface. Et si vous descendez à 40 mètres, elle est toujours à 26. C'est un peu le désert. Et donc, en désespoir de cause, je tente les agachons sur des tombants. Mais vous voyez, il n'y a pas une vie exceptionnelle. Même la mange, elle est quasiment absente. Donc là, j'attends, j'attends, j'attends. Et je vais voir au loin des barracudas.
Donc je vais taper comme un fou pour essayer de les attirer le plus possible. Et là, je vais faire ce que je fais pas d'habitude, c'est-à-dire je vais tourner l'arbalète dans leur direction, mais un peu au ralenti quand même. Je sais pas si vous les voyez avec la flèche. Là, ils sont à plus de 5 mètres. Voilà. Et je tente le tir. Donc, je réussis. Je réussis ce tir à plus de 5 mètres. Donc, tout ça, ça réside sur la puissance du harpon, la connaissance aussi de son matériel. Et souvent, on oublie le pointu de la flèche. Parce qu'un tir de loin avec n'importe quel harpon puissant, si votre flèche elle est arrondie, ne traversera pas le poisson. Ça, c'est sûr et certain. Et lorsque on pratique la pêche sous-marine à l'agachon, eh bien, on doit avoir toujours la pointe de son harpon, de sa flèche, aiguisée. Voilà, le barracuda, c'est pas un monstre, mais le tir, il était un peu exceptionnel, et c'est pour ça que je voulais vous le faire voir. Les conditions aussi étaient exceptionnelles, et donc il a fallu improviser, et ça a fonctionné. Je vous dis de suite que ce jour-là, j'ai pris que ce poisson, parce que la température de l'eau, c'est même pas la peine. Au bout d'une demi-heure dans l'eau, on commençait à avoir chaud avec la 3 mm. Voilà, je remets le chrono pour une action un petit peu plus profonde. Là, on est sur les 10 mètres. On est en lisière de Posidonie et juste devant, il y a le sable. Donc je fais un agachon parce que bien souvent il y a des dorades dans le sable ou des sards ou voire des barracudas ou des loups qui peuvent venir, voire même des dindis. Mais là, il va se passer un truc exceptionnel, c'est que le poisson, il va venir de là d'où je viens moi-même. Alors que en général, quand vous passez, ben, s'il y a du poisson, vous le faites partir. Ben là, il n'est pas parti. Visiblement, il devait être bien caché. Et là, le seul moyen d'essayer de le prendre, parce que je le vois bien avec la tête, mais mon arbalète, si je bouge mon arbalète rapidement vers lui, vous êtes sûr qu'il va déguerpir. Donc je vais me mettre en mode ralenti pour diriger la flèche vers lui, pour espérer lâcher une flèche. Voilà, doucement, doucement. Une fois de plus, le poisson, c'est un poisson solitaire. Le sar, c'est un poisson qui, quand il est solitaire, il est beaucoup plus facile à prendre que lorsqu'il est en banc, à plusieurs. Quelle que soit votre façon de pêcher, lorsque vous êtes dans l'eau, vous devez être au ralenti. Je vous l'ai dit dans la pêche sous-marine à l'indienne de la surface. Mais vous voyez un poisson sur le côté, ne tournez pas la tête brusquement, ne bougez pas l'arbalète brusquement parce que vous allez le faire partir. Il faut, là ça faisait peut-être le quatrième ou cinquième agachon que je faisais, et finalement c'est la progression, c'est la montée, c'est la descente, c'est le calme et la tranquillité qui a fait qu'à un moment donné j'ai réussi à attraper ce sar qui était solitaire et qui n'était pas venu lors de mes premiers agachons. Donc là, je vais vous faire revoir un autre exemple de pêche sous-marine. Ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai déjà mis ces images. Il y a de l'écume. L'écume le tape sur les écueils. Nous, on appelle ça la machine à laver. Alors, la difficulté, c'est de ne pas s'approcher trop près de la machine à laver. Sinon, la houle, elle vous prend. La vague, elle vous prend. Elle va vous rouler dedans et c'est très dangereux. Mais il y a du poisson à l'intérieur. Ça arrive. Là, en général, ce sont des loups. Donc, je tourne sur le côté, je vois un loup qui sort de l'écume, je l'ajuste, bim, je le tire. Alors là, j'avais mis le chrono, vous avez vu une fois de plus que ben, au bout de un temps à la portée de tout le monde, on arrive à faire un poisson. Alors vous voyez que je ne m'approche pas du tout de la machine à laver, et c'est là que le moulinet prend toute son importance. Tous ceux qui me disent, ben, le moulinet, j'en ai pas besoin, mais là, dans cette situation, si tu n'as pas le moulinet, ben, tu risques de te faire reprendre par la vague et de te faire redrosser sur les rochers. Donc, vous avez vu que j'ai fait pas mal d'exemples où, avec autour de moins d'une minute, autour de 35, 30 secondes, moins de 30 secondes, le poisson, il arrivait. Donc, la pêche sous-marine à l'agachon, c'est réservé à tout le monde. Il suffit
de se donner les moyens et d'avoir confiance en soi. On se fiche 37 secondes. Ça, c'est le tricot des pêcheurs du cœur. Donc, je l'ai eu grâce à Mathieu Ferreira et à l'intervention de Cédric Mahut. C'est un peu grâce à Cédric Mahut, si ces tricots ils existent, si vous avez vu ces tutos, vous savez comment ça s'est passé. Et donc, à un moment donné, j'ai réussi à avoir ce tricot et je le porte. Je suis fier de porter ce t-shirt. Voilà. J'espère qu'on sortira de ce Covid pour que très rapidement on puisse faire la tournée dans les hôpitaux avec le petit film auquel j'ai modestement participé et pour faire voir aux enfants cette petite vidéo que Mathieu a conçue avec Cédric et qui, à mon avis, je l'ai vu, c'est quelque chose de magnifique. Mathieu, je t'embrasse. Ben, cette vidéo, elle prend fin. J'espère que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas en tout cas à poser toutes les questions que vous avez envie, de rendre ce YouTube, ce tuto de YouTube, de le rendre interactif. Moi, je vous répondrai, je m'engage à répondre systématiquement, quasiment à tout le monde. Et n'hésitez pas à le partager avec des potes à vous qui sont débutants ou alors qui connaissent pas cette technique, qui sont prêts à essayer de la pratiquer. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto avec Papy CSM. Ciao, ciao.